Bon alors, du coup, on a fait ça. Parler à Kratia. Qu'est-ce qu'on fait nous? Pas trop visiter là. Un prêtre mort. Une longue entaille au cou lavité de tout son sang. Non mais je peux pas quitter le donjon là, on est d'ac. Tac 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 tac, je peux repasser par là, revenir ici. Et ouais, ok. Attends. Je TP à out, ouais. Ouais, j'avoue. En fait, je sais pas où est Kratia, c'est pour ça que j'osais pas. Je sais pas où est Kratia. Magnifique image ici. Super montagne. Tu vois, genre. Ça, c'est campagne. Conseil de la lumière. Parler à la mer supérieure Prava, à la cathédrale de la lumière. Chercher Neyrel dans les bois du Mistral, c'est celle-là. Vas-y, je vais là. Attends, avant quand même. Quand même. Before. Je ne peux pas faire ça ici. Oui, pardon. J'ai toujours envie de TP dans les villes aussi, c'est insupportable. Est-ce que je me vide de tout? Genre, bah déjà, ordinaire, oui. Hein. Voilà, ça, il n'y a pas de feinte. Mais derrière... Les skiffs font faire 30% de la vitesse de déplacement pendant une seconde. Après ça me donne un rang d'armure de glace, donc c'est quand même un peu bénef. Je sais pas trop. Là j'ai quoi? Je gagne du dégât, c'est sûr. 6% de dégâts contre les 6 proches. Ah. Ok. 6% critique, 6,5% de dégâts contre les 6 vulnérables, 3% de dégâts sur la durée. Mais j'ai pas de dégâts sur la durée moi. Ouais, plus 52 DPS, c'est huge. Mais tu vois, en termes de pourcentage, c'est ça en fait qui prend la tête de fou, faudrait calculer. Parce que j'ai 7% de dégâts contre les cibles à distance. L'immense majorité des cibles que je frappe, elles sont à distance. Je perds 17 d'intel. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber, je veux mes 17 d'intel. Oh, c'est hors de quest. C'est hors de quest. Je sais quoi cette gemme? Plus 12 épines. Ah non, c'est sur bac, pardon. Résistance poison. Joseph, tiens. Je ne peux pas faire ça ici. Allez. Vous pouvez merci. Prendre ce qu'il reste. Merci. Allez, au revoir. Revenez, s'il vous faut merci beaucoup. Chose. Je vais. Hop. Je vais aller au coffre déposer la gemme naze. Merde, non, pas ça. Quoique. Ah non, c'est pour l'alchimiste. Ah oui, pour apprendre trompe la mort, ça vraiment trompe la mort, ce serait incroyable de l'avoir. Ce serait vraiment incroyable. Attends, je vais aller voir la chimie, je vais lui demander pour trompe la mort. Je ne peux pas faire ça ici. Non, mais c'est pas ouais, je... OK. Salut, tu peux m'apprendre trompe la mort? Ah, ce sont des élixirs. Vous voulez pas voir regardez, j'ai ça. Merde. Je voilà. Ne peux pas faire la bouilloire ça. Pardon. Est chaude. Qu'est-ce qu'il vous faut? Élixir, c'est bon GG. Trompe la mort. Il faut quoi? Il faut 6 souffles d'ange, 15 cœurs de démon, 9 eaux brisées de bêtes. OK, des langues. OK, OK, OK. Bon, j'ai pas actuellement de quoi faire. Mais ça arrive fort, ça arrive très très fort. En tout cas, chacune des compos, je les ai déjà croisées, je les ai déjà eues. C'est quand même déjà pas mal en vrai. Merci Benji, merci beaucoup pour les 3 ans de Prime. Hello les BG, c'est toi le BG, merci Benji. Merci beaucoup. Ok. C'est pas l'inverse, de quoi c'est pas l'inverse? Si, ça c'est sous-entendu, j'en ai une sur les 6 nécessaires, si c'est ça. Je peux fabriquer, non je pense pas. Une bonne mixture. Ah si.
Attends. Il me manque des matériaux. Ah pardon, mais j'ai rien compris alors. C'est l'inverse. Il en faut 4 des langues pâles. Ah ouais, c'est l'inverse, pardon. C'est ce que ça demande. Ah ouais, my bad. Il est là, mon élixir. Pendant les 30 prochaines minutes, vous pouvez échapper à la mort une fois et devenir insensible pendant 2 secondes. Une fois cet effet activé, vous devez attendre 5 minutes avant de pouvoir en bénéficier à nouveau. Donc ça, tu vois, avant d'entrer dans un fight de boss, ça, c'est intéressant. Et je crois qu'en 2 secondes, t'as le temps de faire ça. Ou pas, tu vois, mais... T'as pas le temps de TP back. Pour les 30 prochaines minutes, je veux qu'on m'appelle Jimmy Punchline. Hey! Non, mais du coup, bah vas-y, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Les attaques accablantes infligent. Okay. Ah oui, il faut chercher Nairel, c'est vrai. Le retour de Jimmy Punchline. Bah voilà, mais ça nous fait même plus peur ça. Ça on en rigole même. Explosion. Trop bien. J'aimerais bien avoir toujours un truc comme ça qui explose autour de moi et qui fait un maximum de damage. Comme ceci. Je suis pas convaincu de la boule. Hein. Je suis pas convaincu de la boule, on dirait une expression, mais je parle vraiment de la boule là. C'est verrouillé. Ah. Où est-ce que je vais ? Oh, excellent. Plus 1 de capacité de la potion. Attends, c'est quoi ce... J'ai chopé quoi? J'ai pas capté ce que j'ai chopé. Bon, par contre, faut trouver ces clés là. Qui a les clés, s'il vous plaît? Ah oui, je suis à... Pardon, oui, pardon, j'ai gagné un slot de popo. Lourd. Mais juste dans cette zone ou tout le temps? Le temps. Pff, c'est royal. Et là, il y a des clés là. Ok. J'entends du bruit là. Mais ne cassez pas les arbres, c'est moi qui vous frappe, monsieur. Vous voyez bien. Mais soyez pas complètement débile, je vous conjure. Oula. Ah, c'est pas lui qui avait la clé? Oh merde. Insane music. C'est verrouillé. Ah, je sais, je sais. Ah, mais je suis bête, là-bas, il y a un petit espace. Ça doit être là. Encore ! Des coffres verrouillés. Contemplez la vérité cachée à l'intérieur. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Ah. Ah. Oh bah moi qui vous avais dit il y a à peu près une heure que j'allais pas tarder à déco, là on est en train de déco là, hein, tel que vous pouvez le voir. On est en full déco là. Full déco. Joyeux anniversaire à moi, 26 ans d'une vie honteuse. Anuar, joyeux anniversaire! Bon anniversaire Anuar! D'une vie honteuse, mais dis pas ça.
Déjà, premièrement, t'es une fleur. Déjà, premièrement, une très jolie fleur. Déjà. Attends, mais c'est un donjon là où je suis? Non, c'est pas un donjon. Si tu veux, je peux te dire où se trouvent les clés des gros coffres brillants. Ah, je veux bien, Zelfir, vas-y. Merci à Zolka pour le 30e mois de Prime. Merci beaucoup à Zolka. Non, mais le boucher, il peut être là. Arrêtez, vous me faites peur. Bon anniversaire, Pompon, je me suis trompé. Oui, c'est l'anniversaire d'Anuar. Que tout le monde souhaite l'anniversaire d'Anuar dans le chat. A-N-U-H-A-R. Un peu cher. Non, je regarde. Laissez-les tranquilles. De quoi que... Go! Il arrive. Arrêtez, mais vous me faites peur. Vous parlez du... Bon, je sais où est la sortie en bas à gauche. Pourquoi ça... Il y a la musique du boucher? Attends. Ah mais c'est là où je l'ai croisé la première fois. J'ai cru que c'était là. Ah mais c'est pour ça. J'ai confondu les bois maudits et le bosquet. Oh non, je suis. Oh là. Ok, je me relève. Ok. Merci Poulo Chonchon. Merci pour ton 31e mois, Poulo Chonchon. Je confonds les donjons, ah ouais. C'est un world boss quoi le machin, c'est... L'enfer. Oh le caleçon. Oh le caleçon. Oh, il y en a un deuxième. Il y en a un troisième. Ouais, je repère la sortie, elle est en bas à gauche. Mais pourquoi vous me dites ça comme s'il allait pop là 100%? Vous me faites stresser là. Pour le moment c'est safe de fou, regardez. C'est à acheter en ville principale aux marchands de curiosité, les paris contre des obsolescences. Contre des oboles, la monnaie que tu obtiens en faisant des events sur les cartes. Ok, j'ai. Ok, je vois très bien. Merci beaucoup. Marchand de curiosité, les paris. Ok. Merci Nods. Merci beaucoup Nods pour ton 46e mois. De la hype de niveau 1, putain, sérieux. Quel hype, sérieux. Oula. Les bruits, ok. Putain. J'ai peur. Je sais pas quoi faire. Après, là, vu mon niveau, je peux le fight. Je dis pas que je vais le gagner, mais... Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi on parle de ça. Le boucher apparaît aléatoirement dans les donjons. Il va pas réapparaître là, ce serait bizarre. Après Bernardine, elle est prête. Hein. S'il le faut, elle est prête. Hein. Merci à Smokra pour le sub-gift. Merci beaucoup à Smokra. Mec, je suis dans le même donjon que là où j'ai croisé le boucher avec Bernard. Ah, je sais pas, mais là pour le moment c'est safe. Pour le moment ça va. Qu'est-ce qu'il y a au moment? Ouais, parle sur Discord, ouais, carrément. Vas-y. Moment veut me dire quelque chose. Moment veut me dire quelque chose, je me unmute. Attends, mais j'entends un bruit bizarre, non? Ah, putain, tu sais que j'ai eu peur, mec. Quoi? J'ai eu peur, j'ai entendu des bruits bizarres, et c'est là où j'ai croisé le boucher il y a 5 heures, donc je me chie dessus maintenant. Dis-toi que j'ai vu un deuxième boucher encore. Ah ouais? Ouais. Oh la dingue. Et tu l'as tué? Non. Dis-toi, j'ai level 29 là. Oh bah tu le tues level 29. Bah j'ai cru, oui. Quoi? Ah ouais, vraiment? Dis-toi que j'avais un pilier qui me donnait trop de force de tout. J'y vais, je tape, il perd presque pas de damage. Ah oui. Et là il me tape, et j'ai peur, je me casse.
Donc, en fait, tu peux partir loin du donjon et pas sortir du donjon, attendre un peu et après il est plus là. Il est plus là ou juste il te lâche pendant quelques temps ? Non, il est plus là. Il disparaît. Ok. Non. Parce que moi j'entends. J'entends des grognements de fou là où je suis, ça me fait bader. Peut-être, hein. Il est peut-être là, fais bien. Non, me dis pas qu'il est là, s'il te plaît. Non, mais l'autre là, il est level, je sais pas combien. Il est level 21 avec ses potes là, Alpha. Il a jamais vu. Le boucher. Ah oui. Bah, je l'ai entendu dire le boucher à un moment, non ? Non. C'était un fake. Non, mais c'est pour ramener des gueules. Ah oui, d'accord, ok. Oh, le bûcher ! Le boucher ! Oh ! Oh, le boucher ! Oh, oh, niveau 100 ! On est où, t'as le level ? Là, je suis niveau 22, là. Tu vas me rattraper, je suis level 30. 30 ? Oh, ouais, après toi, tu vas jouer toute la nuit, là. Non, mais je vais me coucher un jour, mais j'y vais très très lentement, je me promène dans la map et tout. Vous êtes piégé dans une illusion grossière créée par les Horadrim. Ce portail vous en libérera. Bon, allez, à toutes. À toutes, mec. À toutes. Au revoir. Je suis désolé, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce portail. Je décide donc de faire demi-tour et d'explorer la map. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Tu as beau avoir besoin de temps pour préparer cela. Je t'invite à faire demi-tour pour explorer la map. Non, non, mais je vais y aller. C'est juste que là, je fais demi-tour. Coucou, il y aurait un petit mode ? C'est-à-dire un petit mode Nakatsen. Ah, mais je suis en hardcore, ouais. Ah, je suis en mode hardcore, oui. Ah oui. J'ai fait la quête sorcier, ouais, j'ai fait. Ok. Ah, mode dans le sens un petit modo. Pardon, je sais pas de quoi tu parles en fait, Nakatine. Tu parles d'un mode de jeu, d'un mode de quelqu'un de la modération. Tu parles d'un mode genre la mode les habits. Faut nous expliquer un. La dernière fois, j'ai pris un petit perma involontaire de quelques secondes ici et je suis méga blacklist de partout, je crois. Ah merde ! Oh l'enfer. C'est possible en Renaka. Oh non ! Oh non non. Dernier conseil pour la route qui sera utile au level 15, tu as débloqué une quête de classe qui te donne un sérieux boost pour ton perso, c'est à faire quand tu peux. Mais je l'ai fait. Quête sorcier, je l'ai fait au niveau 16, je crois. Mais ouais, Nakatine, on t'avait perma parce qu'ils avaient rippé sur le bouton. Après aussi parce qu'en vrai on t'aime pas trop, on s'est dit vas-y go se débarrasser de cette personne, puis on n'a pas osé le move quoi, mais du coup on t'a unban, mais effectivement vu qu'on est lié, parce qu'il y a un outil qui existe hein, depuis 2 ans sur Twitch où tu peux lier certaines chaînes Twitch etc pour crossban, peut-être que ça a foutu problème, ouais. Merci Ashler pour le 14e mois, merci beaucoup Ashler. Il y a peut-être l'application de Billy. Non, bah, en vrai personne n'utilise l'application de Billy, elle marche pas. Les gens utilisent le truc de base de Twitch qui existe depuis 2 ans en fait. Principalement. S'il y a un spell que j'ai kiffé, je peux en parler dans le chat ou c'est backseat ? Ouais, oh, tu peux, c'est Osef. C'est Osef. Tu peux. T'as vu l'enchantement de bouclier de feu ? Que tu fais du hardcore ? Non, j'ai pas vu. Oh, attendez, je suis juste le loup. Attendez. Là, je suis le loup. Détendez-vous. Rien ne peut vous arriver ici. Je suis extrêmement détendu. Oh, je te suivrai jusqu'au bout du monde. Ouh. Qui êtes-vous ? Un admirateur, si je puis dire. Je vous ai sauvé dans les montagnes. Vous aviez perdu votre cheval. Sans moi, vous seriez morte, gelée dans cette grotte. Pourquoi m'aidez-vous au juste ? Oh, c'est très simple. Vous voulez arrêter Lilith, et je veux que vous y arriviez. Mais vous n'avez aucune chance si vous suivez les Horadrim.
Stadj. Le feu et la mort ne sont jamais très loin derrière eux. Tu perds des trucs quand tu meurs. Ah bah moi mon perso est supprimé si je meurs, donc ouais je perds tout quoi. J'ai surkiffé l'enchantement boule de feu qui fait exploser les ennemis, pas besoin d'utiliser le spell, juste de mettre un point dedans pour pouvoir sélectionner l'enchantement. Mais c'est quoi un enchantement? De quoi t'appelles enchantement? Je capte pas. Parce que moi j'ai bien aimé la boule de feu. Ah c'est dégueulasse ce qu'on vient de voir là. S'ouvrir là, c'est immonde. Hop, je passe devant toi mon gars. Tu vas faire quoi? Pourquoi me dites-vous tout ça? Pour vous mettre en garde. Un jour viendra où les Horadrim vacilleront. Ne soyez pas là quand cela arrivera. Ce portail vous mènera à la jeune fille que vous recherchez. Appuyez sur P pour assigner les sorts. Ah non mais c'est la boutique P, vous voulez me faire claquer de l'argent, c'est ça? Appuyez sur S. Ah ça oui, j'ai pas compris ce que c'était, pardon. Ça je n'ai pas compris. Ça, je sais pas ce que c'est. Attribuer une compétence à cet emplacement d'enchantement pour bénéficier d'avantages passifs. Genre je peux prendre le passif, j'ai n'importe quoi, un de étincelle par exemple. Vous avez 14% de chance de générer l'énergie crépitante en tuant une cible. C'est pas mal en vrai. Lorsque vous faites attaquer, vous avez 5% de chance de lancer armure de glace. Oh c'est pas dégueu ça aussi. Une chaîne d'éclairs se forme automatiquement lorsque vous dépensez 100 points de mana. Putain mais what? Votre esquive est remplacée par une téléportation à courte portée avec un temps de recharge de 17 secondes. Coup de chance. Les coups critiques ont jusqu'à 25% de chance de générer sphère foudroyante statique. L'absorption d'énergie crépitante confère 10% de chance d'invoquer une lance de foudre. Non, attends, c'est une dinguerie. Et c'est quoi le truc de boule de feu là? Parce que moi, boule de feu, j'ai bien kiffé hein, quand j'avais testé. J'hésite encore hein, sur mon E, parce que là, la sphère foudroyante, bon. Lorsque vous tuez une cible, celle-ci explose en une boule de feu qui inflige 50% de ses dégâts. Alors, mais lorsque vous tuez une cible, avec une boule de feu? Ou overall? Parce que là, merci Sanjo, bien le bonsoir, merci pour ton 20e mois, bonsoir. Juste tuer? What? M'en dites pas plus. Je passe ma vie à respect, c'est insupportable. Et cette musique, c'est pas une musique de Diablo 2? C'est une musique de Diablo 2. Non, depuis tard, elle me dit. Ça me dit grave un truc, mais je sais pas quoi. Encore deux trucs, ouais. Putain, Tristram. Oh là là, les feels. Boule de feu inflige 10% de dégâts de brûlure que vous avez appliqué aux adversaires sous forme de dégâts directs. Bah non, j'ai pas de brûlure. Les dégâts critiques infligés par l'explosion de la boule de feu sont augmentés de 10%. Chaque cible qu'elle touche augmente ce bonus de 5% jusqu'à un total de 25%. Déjà finir ma chaîne deck. Mais là, du coup, attends. Donc je fais ça. Non, la boutique. Vous voulez me faire claquer des thunes. Ok, je mets ça là. Donc là. Non mais c'est trop... Non mais je veux pas le croire, c'est trop abusé de fou furieux en fait. Lorsque vous tuez une cible, celle-ci explose en une boule de feu qui inflige 50% de ses dégâts. Ton avis sur le jeu par rapport à Diablo 3, pour le moment j'ai des feels beaucoup plus agréables que Diablo 3. Mais Diablo 3 j'ai été saoulé en genre 2-3 jours, une quarantaine d'heures de jeu. Là j'ai à peine 10 heures de jeu donc c'est difficile à dire tu vois. Let's go. De retour dans l'illusion au Radric. Et par rapport à Diablo 2, ben ça me fait beaucoup plus penser à Diablo 2 que Diablo 3, tu vois. Donc voilà. Donc Mais tu vois Diablo 2 quand ils l'ont ressorti, moi j'avais la flemme de le faire parce que en fait rejouer à un jeu qu'on a déjà fait alors qu'il y a plein de jeux trop bien, en vrai un peu flemme.
Mais en même temps, ça me donnait un peu envie, tu vois, de tâter du jeu. Et là, bah, c'est ce que je fais, donc c'est parfait. Je crois que je me suis perdue. Ça nous est déjà arrivé à ma mère et moi. Le chemin menant au caveau s'arrête ici. Il devrait donc se trouver dans ces bois. Aïe, aïe, aïe. Je sors de 6 heures de route à t'écouter, c'était un pur régal. J'ai fait une sorcière sur les mêmes quêtes dans la bêta, donc pas difficile d'avoir les images, merci Ponce. Trop drôle, prof Elway. J'espère vraiment que tu regardais pas, hein. Si t'étais en voiture, hein. T'écoutais pas, hein. Enfin, tu regardais pas, pardon, si t'écoutes, Ouais, vous pouvez complètement jouer à Diablo 4 si vous avez jamais joué à Diablo de votre vie. On s'en tamponne qu'est-ce que... De nous. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Et maintenant ça, qu'est-ce que c'est censé être? Saturday Bot Fever. Merci beaucoup pour les 5 subgifts en plein fight during this fight. What the fuck, dude? Thank you very much. Merci beaucoup. Vous avez vu les explosions à la mort? Explosion, explosion. Du coup, là, l'explosion a tué l'autre qui a elle-même explosé, mais il n'y avait plus personne. Explosion encore. Non, attends. J'ai même plus envie de jouer. Non, je rigole. Mais c'est trop fort. Merci encore une fois à Saturday Bot Fever. C'est très gentil. Merci pour ces 5 subgifts. C'est trop fort, là, ce que j'ai. Merci aussi à Byzold pour le 9e mois de Prime Gaming on the channel. Qualité de folie. Bah, toujours. Bien sûr. C'est le seul truc que je sais faire. Je vois. Quoi ? Le chemin est différent à présent. C'est la statue qui créait une illusion. Ouais, c'est beaucoup plus chill que... Plus être très loin. Pardon, il faut aller là, pardon. Faut faire une spé full explosion, Michael Bay. Mec, je vais t'envoyer un maximum. What the fuck ? Non mais vous avez vu les explosions ? Ah, c'est bon. Oh là là, oh là là, what a kiff. Kiff dire... Quel kiff ? En australien. Enfin, le caveau Radric. Non mais... C'est les explosions qui tuent tout le monde, ces foirés. Est-ce que ça arrive qu'ils n'explosent pas ? Voyons voir. Non. Mais non mais c'est 100%, je suis débile, c'est 50% des dégâts, c'est 100% l'explosion. Oh, moi je sais pas lire, hein, c'est parfait. Je suis dans une boucle de... Un peu hardcore d'addiction là quand même. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais ne perdons pas espoir. Nous avons juste besoin d'un livre, d'un sort, qui nous aidera à traverser le lac noir et à arrêter l'élite. C'est super beau. Ouais, moi aussi je le trouve très beau. C'est verrouillé. Oh, il y a toujours un problème. Tu vois... Bah oui, non mais on va pour un con, je me doute très très bien que je vais trouver. Ah. Hop là. Tout le monde a l'air de kiffer ce Diablo 4. Ouais, franchement pour le moment c'est des très bons retours qu'on entend. Oh. 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 Invendable. Incantation et verset mineur. C'est quel acte? Le premier toujours, Sango. Toujours, toujours. Donc en hardcore, si tu meurs, c'est fini. Ah, c'est... Je meurs, le perso est supprimé. J'avais déjà un perso... j'avais un perso que j'ai monté niveau 11, je suis mort avec tout à l'heure. Voilà. J'étais abattu. Vous groupez à la fin? Bah peut-être un peu de endgame selon où on en est, mais tu vois, moi je suis un hardcore donc je peux que grouper avec les gens hardcore déjà, tu vois, c'est pas aussi simple. Je pense que c'est écrit en code Oradric. Là, il y a le même symbole sur la porte. J'ai une idée. On défonce la porte. Non? Je vous conseille de reculer. Ok. Ah, regarde. Boum. Chess, biff, trot. Boum. Boum. Ah, tu vois, en lançant les boules de feu. Alors, tu vas faire quoi? Poursuivons. Okay. Si seulement ma mère était là. Donan a apporté un livre lors de sa visite. L'écriture était très ancienne. Il s'agissait d'un parchemant des Vigereis.
Ça ne va pas plaire à Lorat. Mais si je veux un jour combattre à ses côtés, je me dois de tout étudier. Lorat est sage, mais il est prudent. Je lui prouverai ce que je vaux. Je comprends rien du tout à ce jeu. Bah, réfléchis, juste monstre, fracassé, avancé, plaisir, tu vois. C'est tout, hein. Attendez-moi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, mais tu vois bien qu'on... On est pressé, hein. C'est ta mère qu'on essaye de sauver aussi, hein. Mandoni. Mandoni, bon. Oula. What? Ça me fait penser à Arcane, ça. Marrant. C'est le même saut. Il devrait être assez facile de... Saison 3, Wen. Automne 2024. Pourquoi l'a-t-on utilisé? Pour Arcane. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Évidemment. Rien ne doit nous freiner dans notre poursuite de Lilith. J'avoue. Je vais ouvrir la porte. Si on se sépare, on ira plus vite. J'avoue. Seulement si vous restez de ce côté de la porte. Mais attends, c'est le début d'un film d'horreur, ça, non? D'accord. Que cherche-t-on? Vous ne savez pas? Un livre, un parchemin, ou tout ce qui pourrait nous aider à traverser le lac noir. Just this shot. Ah, encore la boule de feu, hein. Attends, tu vas où? Ah, c'est tout... Okay, je suis toute seule, donc. Ok. Ouais. Les démons de mes nuits. Putain, mais vraiment l'explosion, elle est... l'enchantement est exceptionnel, hein. Choqué, oh. Est-ce qu'il y a du Q-click? Non, il n'y a pas de Q-click. C'est que du clic gauche. Il n'y a pas du tout de Q-click. C'est que du clic gauche. Et ouais, si tu cliques gauche sur un adversaire, ça va envoyer ton spell que tu as en clic gauche, par exemple. Après, tu peux tout rebind, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. Que niveau 22, ce run a été bon. Quoi? Mais quoi? Mais j'ai arrêté de jouer une heure entre 19h40 et 20h40. Plus j'ai mon premier personnage qui est mort. Bernard, F for Bernard in the chat, please. Je fais au mieux, hein. Je fais. Oula. Ça pue la merde, ça. Oula, Chor, héros de. Oula. Raté. Oh putain. Voilà. Le problème, on va dire, de cet enchantement, c'est que contre les boss monocybes, ça sert à rien. Genre. Et c'est ça, il faut. Ouais, j'aurais dû changer avant de rentrer dans la salle, mais je savais pas que c'était un. Où je sens le fight, oulolo, ça va être long, ça va être rigoureux, ça va être... Oula, va falloir plisser les yeux là, après 11 heures de live. Ok, j'ai capté. Je ne suis pas encore prêt. Ok, j'ai capté le pattern. J'ai capté le pattern, enfin de cette phase en tout cas. Là, elle va lâcher des potes, c'est parfait. Je peux même la rush comme ça en fait là.
C'est quoi cette zone? Ok. Bon, pour le moment, je suis bien, je me plais, je me régale, je suis dans mon fight, j'ai compris le pattern. Ok. Ah non, ça c'est l'enfer. Oh, ça c'est le cauchemar. Déposez les armes. Vous voyez bien, vous ne mourrez pas. Moi j'ai mangé une pote en me disant je vais récupérer une nouvelle pote. Ah, je peux tuer ça? Oh le feu. Oh oui, bon là. Oh là, là t'as un peu commit hein. Je vous cache pas que savoir que si tu meurs ton personnage est supprimé. Là j'ai pas envie là. Wow. Ouais, flemme de mourir de fou, hein. C'est bon, je suis bien. C'est bien. Je peux bien lui mettre des bons bursts là. Hop là. Non mais tu commis de fou là, qu'est-ce que tu fais? La preuve, je suis derrière. Je crois que ça va le faire là, je crois qu'on est en train de le faire. Ou alors j'ai Jinx à l'instant même. Oui. Mais c'était pas du tout un boss final ou quoi, attention. Je vous préviens. Pourquoi un démon protégerait-il ce livre? C'est vrai ça. Je devrais rapporter ça à Nerel. Exact. Je l'ai, c'est bon, ouais. Merci pour les GG, merci beaucoup. Merci à Baljon pour le 10e mois pendant le fight là. Pff, c'était quelque chose hein. Ok. On va retourner la voir, ouais. Ça te saoule pas de tout recommencer si tu meurs et du coup de refaire la même chose? Bah en fait, si jamais je refais la même chose, je partirai pas sur une sorcière et donc ce sera pas vraiment le même jeu. Tu vois? Intéressant. Ce registre a été rédigé par les Horadrim. Il recense les sorts et les... C'est surtout comme ça que je le vois. Surtout, je suis pas obligé de... Ce n'est pas ce que... Je suis pas obligé de rejouer, hein, si j'ai pas envie. Non. Mais si, je serais un peu deg. Enfin, je serais même 100% deg. Là, je meurs, je suis deg. Ce livre renferme probablement un sort capable de ramener ma mère. Elle connaît le rituel pour traverser le lac noir. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ah non, c'est la pire idée. C'est tout ce qu'on a. Ma mère nous aidera. Allez. Retrouvez-moi en bas. Let's go. C'est la pire idée du pape. Niveau 23. Ça monte. Donc ça c'est bon, j'ai monté au max mon éclair. Il faudrait que je monte peut-être la... C'est vrai que ma téléportation actuellement fait peu de dégâts. Et j'ai un temps de recharge de combien? Je suis à 10,73, là j'en aurai un 10,19. La TP, je m'en sers plus comme une TP que comme quelque chose pour faire des damages dans l'immédiat. Je vais plutôt augmenter la lance. Elle fait mal quand même. C'est un live 24h. Non, pas du tout. Moi, je veux pas trop tarder. Enfin, ça fait 2h que je dis que je veux pas trop tarder. Mais ouais, ça va pas trop tarder, bien sûr. Ah, il faut retourner là-bas. Ok. Pour
pour fabriquer la gemme, bien sûr. J'avais testé la classe sorcier, la branche électrique, je la trouve pas ouf et pas très c'est pas très impressionnant. Ah ouais? Moi je sais pas, moi j'aime bien. Il y a justement moi j'ai un bon feedback dessus, tu vois. C'est toujours Bernardine, toujours. Ah, je vois que vous. Merci Fyron. Merci beaucoup Fyron. Vous ne trouverez pas meilleur lapidaire dans tout sanctuaire. Apportez-moi vos gemmes. Merci Antoine. Et je ferai des miracles, vous verrez. Merci beaucoup Antoine, c'est super gentil. Bienvenue. Alors on est bon, ça fait 12 heures que je suis en live, mais déjà merci beaucoup Antoine, c'est super gentil, j'espère que tu vas bien. En gros là, je suis sur Diablo 4, Diablo 4 qui sort officiellement le 6 juin, mais pour les gens qui ont mis 20€ de plus, il sortait cette nuit là à 1h du mat, enfin la nuit dernière à 1h du mat. Moi j'ai commencé vers 13h, je suis en aventure hardcore, donc qu'est-ce que ça implique l'aventure hardcore? Bah grosso modo, si je meurs, ben mon personnage est supprimé, genre automatiquement, donc voilà. Et j'ai déjà un perso qui est mort niveau 11 tout à l'heure, donc 11 ça va, c'est pas très grave, 11 je l'ai re-rush en 1h, j'étais niveau 11, ça va. Là je suis actuellement niveau 23, je joue sorcier avec des attaques électriques, voilà, je suis parti dans un truc un peu électrique, voilà. Diablo 4, juste pour expliquer, Diablo 4 c'est dispo sur Xbox, sur Play 5, sur PC, et c'est un jeu auquel tu peux jouer même si t'as jamais fait Diablo 2, Diablo 3, on s'en fout, c'est un jeu à part entière, et voilà. Et voilà. Et donc je suis actuellement dans une maison de fou avec il y a Lapi, il y a Kenny, il y a Zera, il y a Juice, il y a Moment, il y a Alpha, et on joue tout le week-end très salement à Diablo, pas forcément ensemble, mais bien salement quand même. Voilà. Les doublages à faire ont l'air vraiment fous, ils sont fous. Je les trouve dingues et tout est doublé, c'est une dinguerie vraiment. Meilleur feels que Diablo 3. Ouais, j'ai pas encore assez joué pour dire, mais pour le moment ouais, de fou. Attends, mais déjà là, je sais même pas ce que je fous là. J'étais en train de faire une quête et je viens de sortir d'un boss. Le fight a duré 10 minutes. J'ai sué du trou de balle. Là, faut juste que je chope un truc là par rapport à mes quêtes. Fabrication de gemmes. Fabriquer une gemme. N'importe laquelle? Ok. Vas-y, hein. J'en fais une hyper random, hein, juste histoire de valider la quête. C'est pas... Et ensuite, je vais retourner. Et du coup, elle veut plus que je sauve sa mère? Oh, on va se faire un petit donjon alors. On va se faire un petit donjon, hein, je pense. Tiens, c'est marrant ça. Ah si, voilà. Ok. Je vais continuer ça parce qu'en fait, normalement, j'arrive dans assez peu de temps au boss final du premier acte du jeu. J'avoue que j'aimerais bien, avant d'aller dormir, faire ça. Mais je sais pas si... Je sais pas si c'est vraiment possible, j'ai pas non plus envie de me faire spoil en mode bah là en fait tu parles à deux personnes et donc je sais pas trop. Je ne peux pas faire ça ici. Faut aller dodo, non mais t'inquiète je vais dodo. Demain j'ai dit que je relançais vers 14, je relancerai peut-être vers un peu avant en vrai. Je pensais pas que ça allait me plaire autant en termes de gameplay, vu la déception que j'avais eue sur D3, j'avoue. Mais là je me régale, En fait j'avais prévu à la base de cut mon live à 21h. Hein, donc, Par tous les anges, vous revoilà. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-ci. Il faut informer la mère supérieure de tout cela, mais elle se trouve à Korvalar. Allez y chercher votre bénédiction. Tout se déroule comme Inarius l'avait prévu. Putain, mais je suis dans le sol là. Bientôt, il sera libre de s'échapper de sanctuaire pour retourner aux cieux, à sa véritable place. Ça va, ah oui, d'ailleurs, j'ai pas expliqué, mon premier personnage, il s'appelait Bernard, c'était un sorcier qui maîtrisait aussi l'électricité. Là, j'incarne Bernardine, qui est ni plus ni moins que sa sœur. Et Bernardine doit venger son frère. Son frère qui a été tué, messieurs, dames. Alors, vous allez voir, c'est assez triste. Hein. Regardez, c'est Bernard. Il est mort, tué par le boucher. Et genre, le boucher, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un boss assez emblématique de Diablo. Qui est présent depuis... En tout cas, moi, je l'ai connu sur Diablo 2, donc je sais pas s'il était sur Diablo 1, jamais joué. Et en fait, le boucher, il est présent de manière aléatoire dans un donjon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres dans un donjon, il y a une chance qu'il y ait le boucher dedans. Sauf que... Enfin, une chance, c'est infime. Hein. Sauf que le boucher, bah, il te pulvérise, en fait. Il te démolit. Il y était dans le 1. Ok, j'ai pas joué au 1, je savais pas. Il te
démoli de fou. Bah, j'ai croisé le boucher, j'étais niveau 11. Voilà. Feu Bernard. Pense à toi. On pense à Bernard. Et on espère que Bernardine venge son frère en tuant le boucher. C'est vraiment l'objectif de la run pour le coup. Je dois aller là ? Mais vous rendez compte ? Mais c'est ça a aucun putain de sens ! Parler à la mère supérieure Prava. Ah putain, ok. Je connais vraiment pas le gameplay, on peut le comparer à quel jeu ? C'est un hack and slash, donc peut-être en jeu récent que t'aurais pu voir. Bah, Path of Exile. Mais bon, si tu connais pas trop le délire, je pense que ça te parle pas tant que ça. Mais sinon, récemment, quand même, qui avait pas mal buzz, c'était un MMO qui s'appelle Lost Ark. Et Lost Ark, pour le coup, bah, c'est ce genre de gameplay, quoi, concrètement. Donc peut-être Lost Ark, je dirais. Pourquoi il parle, maman ? Je t'ai pas parlé. C'est presque comme Super Mario Bros. 2, ouais, c'est quasiment la même chose. Ouais, Path of Exile, Lost Ark, Wolfson. Putain, c'est vrai, Wolfson. C'est vrai, ça. Il faut vraiment que je trouve un moyen de stun. Hein. Donc là, je fais juste la quête principale, hein, c'est tout. Mais vu qu'en se déplaçant, il y a des mobs... Et vu qu'en fait tous les mobs sont scale sur toi, tous. Oh, j'ai pas vidé mon inventaire, non mais c'est bon, il est pas plein. Bah en gros, on s'en fout un peu de... Enfin autant tout tuer parce que ça donne de l'XP quoi. Va falloir que je commence à songer de changer mes jambes enfin, en vrai. Faudrait que je regrave le nouveau truc dessus mais je pense que là, ces jambes sont pas mal. Dans un style un peu similaire, tu serais hype par Baldur's Gate. Bah, si, ouais, je connais bien, j'ai joué à Baldur's Gate, mais j'ai peur que ce soit un peu vieillissant, tu vois, par rapport à ce qu'on a pu connaître depuis Baldur's Gate 2, tu vois. Je sais pas. Les bannes que tu utilises, c'est clic gauche. Là, je suis en clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. C'est que du clic gauche, là. Voilà. C'est que du clic gauche parce que j'ai mis une attaque comme ça qui utilise pas de mana sur clic gauche. Voilà. Après j'ai du clic droit, voilà. Genre une chaîne d'éclairs. Après j'ai du E, boum, je lance ça. Donc voilà, c'est toi. Tu peux tout modifier. Hein. Oui d'accord, c'est absolument pas similaire à Baldur's Gate à part la vue ISO, on est bien d'accord. En tout cas, on a une éternité de Baldur's Gate 2. Après 3, je sais pas, j'ai pas joué. Je crois qu'il y avait une early access récemment, je sais plus quand. Et voilà, en fait, le fait que je sois en hardcore, forcément, ça crée une espèce de stress permanent abominable où, dans ce genre de jeu, tu peux un peu t'endormir sur ce que tu fais parce que, bah, concrètement, c'est pas toujours très dur. Ça dépend, hein, y a vraiment des moments où ça s'intensifie, mais quand t'es en hardcore et que ça s'intensifie, tu te chies dessus, genre, c'est abominable, c'est vraiment abominable. Toute la villa joue en hardcore. Non, justement, c'est pour ça qu'on peut pas tous jouer ensemble. Non, toute la villa ne joue pas en hardcore. Zera joue en softcore parce qu'il veut faire l'histoire. Il veut vraiment, vraiment finir le scénar, tu vois. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Il y a Moment qui est en hardcore. Il y a Kenny. Kenny, il avait pour objectif de... En gros, Blizzard, ils ont dit un truc. Ils ont dit, on réserve pour les 1000 personnes qui atteignent en premier le niveau 100 en hardcore. On écrit leur nom sur des statues dans les locaux de Blizzard. Et Kenny, vu que c'est un tryharder qui a le cerveau complètement fondu par le jeu vidéo, il s'est dit, ok, il a passé 3 jours à étudier des Excel, à regarder des vidéos, merde, à regarder des vidéos et tout. Il a dit, moi, je veux qu'il écrit Kenny Stream quelque part chez Blizzard, aux States, machin. Donc, il s'est mis à rush, et malheureusement, il est mort vers quelle heure ? Normalement, il est mort, il était niveau 47. En vrai, il était propre de fou, hein. Et il est mort niveau 47, il y a peut-être 4 heures, un truc comme ça. Donc vraiment sad pour lui, vraiment 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 de fou.
plus mordu de conneries en plus. Ouais. Et voilà. Donc là, il joue toujours. Du coup, il joue toujours en hardcore. Mais là, il est en chill. Moi, je suis en hardcore chill. C'est-à-dire qu'en gros, je suis pas pressé. Je me balade, je fais des quêtes secondaires si je veux. Je fais tous les donjons que je croise. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime dans ce jeu, vraiment, moi, l'histoire, encore une fois, même s'il y a un lore assez développé, hein, attention sur Diablo. Et moi, j'avoue que l'histoire. Tu vas dormir ? Bisous, mec ! Niveau combien, Alpha ? Niveau combien t'es ? Ok, on est assez proche en vrai. Là, je suis 23, ouais. Ouais. Vous allez le voir. Ça va vous tomber dessus, mon gars. Horrible, mec. Ah ouais. Ouais, bah ouais. À demain, mec. Tiens, repose-toi bien. Alpha la Yes Life, comme on l'appelle, quoi. Il va se coucher. Il est niveau 21, je crois, il m'a dit. Là, ce que je viens de faire, là, c'est une cave. Il y en a un peu partout, des caves, des trucs comme ça, des petites grottes. Il n'y a pas grand-chose, c'est juste histoire de récupérer quelques gold. Il n'y a pas grand-chose d'autre, hein, c'est tranquille. Et du coup, ouais, je disais quoi ? Je disais trop bien ce jeu, en vrai. Ah oui, non, y a un lore assez développé sur Diablo, mais moi, j'avoue que le lore de Diablo, je m'en tamponne un peu le coquillard. Alors non, même plus globalement, je suis un joueur Nintendo, donc si vous voulez, les histoires, je connais pas. Moi, juste, j'appuie sur des boutons. En fait, c'est un peu une réalité. Et je me rends compte que je suis un peu formaté à ça, et de manière générale... À part quand c'est un jeu type The Witcher 3 ou encore Detroit Become Human où c'est vraiment l'objectif, c'est la narration, bah genre j'avoue que je m'en fous de fou en fait. Moi je veux juste fracasser du mob, faire des builds et triper dessus quoi. Voilà. Principalement hein. Pas sauver la princesse, ouais c'est ça. Hein. Pas sauver la princesse, après je me démerde. Bon après il y a quand même des cinématiques exceptionnelles donc il est impossible de passer ça. En vrai, là, je vais être peut-être un peu violent envers les gens qui posent dans la narration, dans les jeux vidéo, et j'en connais en plus. Mais je, à part certains jeux, je trouve que quand même la majorité des jeux, c'est des narrations vraiment de bébé cadom, quoi. Je sais pas, c'est de la narration qui est limite là pour faire genre il y a une narration. Mais pas tous les jeux, hein, bien sûr. Hein. Heureusement. Mais tu vois, genre typiquement Blizzard, ils préfèrent mille fois vendre leur jeu que écrire une belle histoire, tu vois, par exemple. Bon, ça les empêche pas d'avoir quand même des trucs sympas. Mais tu vois, par exemple, moi qui suis un gros joueur de WoW, bon, le lore de Warcraft, il faut arrêter. Enfin, c'est vraiment stop. Même eux, ils savent pas. Même eux, ils savent plus qui fait quoi, en fait. En fait, le méchant, il était gentil. En fait, le gentil, il était méchant. En fait, le gentil, c'est méchant. En fait, le gentil, il est méchant. Et c'est genre... ça a aucun putain de sens. Je rentre pas là-dedans. C'est des événements périodiques, alors ça peut être un peu tricky. C'est un gros le Warcraft. Mais moi, Warcraft, j'étais un gros fan. Par exemple, j'ai lu les trois bouquins principaux de... Tu sais, les... Je sais plus le nom, hein. Mais c'est un peu le pilier du lore War 3. Warcraft, pardon. Ça c'était pas mal, je sais plus le nom des bouquins, c'était il y a un petit moment. Hein. Ça c'était pas mal, mais bon là WoW c'est à la 9ème extension, bon, j'avoue. Pourquoi je fais ça? Chronicles, exactement, les chroniques, ouais tout à fait, ouais. Après pour WoW arriver à garder 18 ans d'une histoire cohérente c'est pas facile, mais grave. Non mais bien sûr. Non mais bien sûr, en fait je condamne pas le truc, c'est juste que c'est une des raisons pour lesquelles in fine en jouant aux jeux vidéo je me rends compte au fur et à mesure des années que l'histoire j'en ai rien à foutre et je veux juste un bon jeu quoi. C'est un peu ça, j'avoue. Après c'est à prendre avec des pincettes, tu vois, genre typiquement Detroit Become Human, bon je joue pour l'histoire quoi. The Witcher 3 aussi, tu joues pas pour le gameplay quoi. Il est où ?
Merde. Merde, j'ai plus le temps. Pourquoi je fais ça? Qui m'a lancé ça? Ça, c'est des petits events qu'il y a sur la map de temps à autre. Aucune obligation de les faire, hein. Tu peux passer devant aux F et tout. Mais voilà, ça donne des petites pièces, ça donne des fights aussi. Donc c'est pas mal. Je gagne quoi là? 10% résistance froid, 2% résistance poison aux F, 5% dégâts contre les cibles proches, plutôt loin, mais... Oh, c'est aux F. Après, un jeu qui lie lore très cool et gameplay de fou, c'est le best. Ah mais clairement, bah, genre Hades, exactement par exemple, genre Hades, mais c'est pas pour rien qu'Hades c'était une pépite. C'est pas parce que le gameplay est cool quoi, et c'est pas que parce que le jeu est beau. C'est parce qu'en vrai, bah, ils sont arrivés, bon en plus de ça, jeu indé quoi. Ils sont quand même arrivés à faire un jeu avec un gameplay hyper attrayant, hyper diversifié, un jeu magnifique, avec une DA vraiment vraiment hyper chiadée et singulière. En plus de ça, un lore hyper développé, les relations entre les persos hyper développées, là ouais bien sûr. Il y en a plein hein, quand même, enfin il y en a plein, il y en a hein, des jeux comme ça. Heureusement. Musique de fou furieux d'Aren Korb qui nous sort une masterclass. Oui. Ben, moi j'ai vraiment des sons de l'OST Hades dans mes playlists quoi. Classique. Outer Wilds encore une fois. Ouais, et tu vois, genre bizarrement, ça arrive surtout avec des jeux indés. Beaucoup avec des jeux indés, avec des studios un peu plus petits et tout. Parce qu'en un sens, tu vois, des studios comme Blizzard, je pense qu'ils sont quand même plus en recherche de quelque part de thunes entre guillemets. Plus que de vraies expériences vidéoludiques de baiser comme ils pouvaient le faire dans les années 2000 quoi. Je pense, mais bon, je raconte peut-être de la merde. Pourquoi j'attaque un mec? Il s'appelle Colin. Ah non, Corlin, pardon. Oh mais pareil, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je les attaque? Oh, je les ai, mais genre, dis-moi. Je ne suis pas encore prête. Pardon. Je comprends. Le bâton de maîtrise élémentaire à tout moment. Alors déjà 339 DPS, je gagne du dégât. 9% de dégâts contre les cibles subissant une perte de contrôle. J'ai pas actuellement de CC. 4% de dégâts de feu. Why not? 7% dégâts de foudre, why not? 8% dégâts de froid? Oh mais je prends! Et je perds quoi? Je perds 2,5 de réduction de coup de mana, 5% de chance de coup de chance, 4% de dégâts de perte de contrôle. Je sais pas si je mets en vrai. Plus 9 quoi c'est? Ah ouais, j'ai 17 intel là-dessus, non c'est pas possible. Plus une chasse, ouais mais j'ai... En fait, c'est impossible à remplacer. J'ai 17 d'intelligence là-dessus. Genre, yes. Aïe. Ouais, je pense que... C'est trop compliqué de faire des choix comme ça. Je sais rien. Ça, c'est un donjon, par exemple. Chute... Quoi ? Chute des gelées. Vas-y, on se le garde pour l'an prochain. Putain, je fonce des mois. On se le garde pour demain. Là, je vais aller voir la quête principale, voir ce qui se passe. Je pense à ce test. Le bâton? Vas-y, je teste de mettre le bâton. Ok. Non, pas toi. Je teste le bâton. Et on voit. Je pense que la plupart des gros studios cherchent plus à créer du divertissement qui va être accessible à un maximum de monde. Plus que raconter quelque chose qui ne touchera peut-être qu'une niche. Ouais, exact. Ouais, il y a sûrement une part de vérité dans ce que tu dis, ouais, clairement.
Ouais, c'est sorcier ma classe, ouais. Ouais, je suis sorcier. Ouais, non, t'as grave raison. Mais du coup, effectivement, dans le fait de toucher plein de gens, il y a cette histoire de rentabilité, quoi. C'est, on y revient. Parce que pourquoi tu voudrais toucher plein de gens, si ce n'est... La mère supérieure Prava attend ma venue. C'est vrai, ça. Ouvrez les portes! Perso, je trouve le scénario plutôt cool. Ouais, il est plutôt cool sur D4. Carrément. Mais en fait, en gros, je suis arrivé à me détacher... Enfin, je suis arrivé. Je me suis détaché, malgré moi, en fait, finalement, un peu des scénarios de jeux vidéo, quoi. C'est un peu triste, hein. Vous étiez de bons soldats, assidus au travail, au combat... Attends, mais ils sont en train de les cramer, là? Et à la taverne. Mes frères, mes sœurs, puissiez-vous trouver la paix dans ces flammes? Viggo, que faites-vous ici? Vous êtes vivante. Je me suis confessé à Prava. À propos du pot de vin de cette femme, ça s'annonce mal. Je suis sur la sellette. Je n'aurai peut-être plus de boulot quand elle en aura fini avec moi. Mais... vous êtes venu pour elle, non? Allons-y ensemble. Elle sera peut-être plus clémente avec moi. Putain, j'étais mute. Ouais, la VF est trop bien. La VF est trop bien et c'est vraiment quasi... Enfin, il y a tout qui est doublé, quoi. C'est trop kiffant. Je ne peux pas faire ça en ville. Halte là. Quoi? Elle nous attend. Viggo, bonne chance. Quoi, bonne chance? Genre... Dites à la nouvelle commandante de remplacer les forces perdues dans la mine. Alors... vous revoilà. Viggo, ici présent, m'a dit que vous étiez plus brave que lui. D'abord, vous devez vous montrer digne d'une bénédiction. Une guerre sainte ne se gagne pas avec des troupes sans foi. Le jeu Gigabo, il est magnifique. Il s'agit d'une guerre sainte. Il est magnifique, il est beau visuellement, les musiques sont incroyables, les VF sont dingues. Ouais, non, ça pour le coup... Inarius nous délivrera, comme annoncé dans la prophétie. En attendant, tout le monde a un rôle à jouer. Allez en pèlerinage, jusqu'au monastère d'Albâtre. Purifiez votre esprit. Ensuite, nous pourrons discuter de votre bénédiction. Ouais, mais je suis une éternité de... Attends, c'est où cette histoire-là? Que je me rende utile. Je vais faire un donjon, là, j'en ai rien à... C'est quoi la voix obscure, d'ailleurs? Je sais pas. Terminer le pèlerinage vers le sanctuaire du pénitent. Je ne peux pas faire ça en ville. Oui, excuse-moi, j'ai essayé de te TP, tu ne peux pas le faire effectivement. Go go go, c'est bientôt fini. L'acte 1. Après, ça me dérange pas demain midi de commencer le live avec un giga fight de boss final d'acte, hein. Ça me dérange pas, hein. Je ne suis pas encore prête. Non, mais là il va se passer une dingue. Là il va se passer une dingue, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est sûr. Bonjour. Il y a un sanctuaire à l'ouest d'ici. Il abrite une relique dont on dit qu'elle absorbe les péchés. Elle soulage le corps et l'esprit. Son rituel vous purifie, vous prépare à faire face au Père. Il fait que gueuler. Vous n'avez pas trop de regrets, l'ami. Il est infernal. Cette chose est bien plus mortelle pour certains que pour d'autres. Soyez prudente, d'accord? On se verra à la fin. Qui gueule? À ton avis, ça commence par Zera, ça finit par Thor. Attends, je vais rien dire, c'est lui qui m'a invité dans une villa pour jouer à Diablo tout le week-end, je vais pas commencer à lui dire mec, ta gueule, hein. Eh mec, ferme-la. Juste ta gueule, en fait.
Juste tu la fermes, tu fermes ta grande gueule, t'arrêtes de nous saouler. Tu vois ce que je veux dire, Zera? C'est ça que j'essaie de dire. Là, tu nous casses les couilles. Oui? Tu nous casses... Bah oui, c'est sûr que tu nous casses les couilles, mais bien sûr. Ah oui. Eh ouais, oula. Ok. Mais il parle encore plus fort et casse les couilles. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Écoutez, créature des ténèbres, vous qui avez perdu le chemin de la lumière. C'est clippé, envoyé. Lavez vos péchés. Oh, je t'en conjure, non. Respirez l'air glacial. La voie de la rédemption se trouve devant vous. Si vous trouvez la foi de la suivre. Ouais, bah c'est Oh putain. Je vous jure que ça pue la daube. Oh, par contre, si jamais je vois qu'il y a une enceinte de boss, une espèce d'enceinte de boss, il faut vraiment que je modifie un truc sur mon build parce que là je suis en build multi-cible et ça sert vraiment à rien contre le boss quoi. Enfin, ça dépend s'il y a des adds ou pas, mais bon. Je peux pas le deviner, au moins je me mets en mono. Oula, oula, oula! Ouah, ça. J'aime trop beaucoup ça. Je peux rentrer là-dedans, moi? What? Attends, mais et là, je peux t'attaquer ou quoi? Ah non, je suis obligé de rentrer. Oh, l'angoisse. Bon, ça va. T'es chill, t'es chill. J'ai tout cassé. Ressentez la douleur de vos blessures. Laissez la glace pénétrer vos os. Accueillez la souffrance, car la purification de l'âme commence par l'agonie de la chair. Que votre foi soit plus forte que vos mots. Ok. Ça continue. Et vous avez l'impression que je fais plus mal avec mon bâton là? J'arrive pas trop à m'en rendre compte. C'est vrai que là je les ai quand même oblitérés. Je ne suis pas encore prêt. Genre là, ouais. Ok, imagine ça. Et maintenant imagine ça. En speed. Genre là, un petit trash. On voit rien. Personne. Ah voilà. Oui, oui, je fais plus mal. Oui, 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 oui. Oui. Je suis d'accord. Ouais, je l'ai en 3 clics gauche lui. Bon, il y a eu un crit au milieu, mais... Comment va Bernardine? Bon, écoute, là, elle est... Franchement, elle est bien, hein. Franchement, elle est bien. Elle va venger son frère, je te jure. Ça va être... Vénère. Ok. It's now. Admirez les montagnes qui vous surplombent. Ressentez votre insignifiance. Embrassez l'humilité. Acceptez votre place et vénérez notre Père, car c'est lui qui nous a montré la voie.
guette le Mont Ventoux. Alors, je suis en train d'aller tout au sommet du Mont Ventoux, le sang. Ça me régale. Alors, retour aux racines, let's go. Il va y avoir un monstre immonde. La fin est proche. Sondez votre esprit. Trouvez votre foi. Ressentez-la remplacer votre vide intérieur. Et je peux vivre de moi-même. Rappelez-vous que vous n'êtes rien sans la foi. Ayez foi en la lumière. Et rappelez-vous. Apportez l'idole des fidèles à l'autel de l'ascension consacrée. La fin est proche. Sondez votre esprit. Attends, ça veut dire que je l'ai oublié ? Trouvez votre foi. Ou je pouvais pas la prendre ? Sentez-la remplacer votre vide intérieur. Rappelez-vous que vous n'êtes rien sans la foi. Ayez foi en... Oui, je l'ai oublié. Oh putain. Et rappelez-vous. C'est pas du tout mon style, c'est improbable. Pas du tout mon genre. Trop bizarre. Ok. Oh le boulet quoi. Le backseat pas, t'as vu? Putain, mais j'avoue! J'ai besoin de temps. Non, après, en vrai, comme j'ai dit, moi sur Diablo 4, c'est un peu comme World of Warcraft ou les MMO, genre pareil, FF14 et tout. Sauf quand tu fais une quête en particulier ou éventuellement tu vas sur la main quest de FF14, c'est vrai. Mais sinon, moi, genre, je m'en fous du backseat sur ce jeu. Au contraire, tu vois, y a c'est le genre de jeu comme Path of Exile aussi, où t'échanges, en fait, c'est un échange, c'est qu'un échange. Path of Exile, tu joues avec un tableur Excel à côté de toi, quoi. C'est vrai que moi, là, non plus, ça me dérange pas. Je précise bien sur ce jeu, hein. le prochain live tot qui va être abominable. Sur ce jeu, hein. C'était MMO les Diablo avant. Pareil, ouais. C'était pareil. Alors. Putain. Sur Diablo 2, est-ce que tu croisais n'importe qui de cette manière? Non, je crois pas. T'avais des espèces de serveurs. Ou alors quand tu groupais, tu croisais les gens. Putain, je sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que tu jouais avec tes potes, quoi. Tu pouvais jouer avec tes potes sans souci. Seul et avec tes potes. Mais non, je crois pas que tu croisais. Je crois pas que tu croisais de manière random des gens comme ça, tu vois. Je crois qu'il fallait vraiment grouper pour croiser, ouais. Il y avait un peu une sensation MMO quand même hein, sur D2 je trouve. Et aussi parce qu'à l'époque il y en avait moins des MMO donc on avait moins l'habitude quoi. La fin est proche. Ah oui du coup ok. Sondez votre esprit. Trouvez votre foi. Ressentez-la remplacer votre vide intérieur. Rappelez-vous que vous n'êtes rien sans la foi. Je sais, ça fait plein de fois que tu Ayez me dis ça. Ayez foi en la lumière. Et rappelez-vous. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Tu moques, c'est le dernier hôtel quand même. Oui, ça a l'air. Hein. Il est big. C'est vrai, j'aime jouer aux cartes. Ce n'est pas un péché. Mais ce pot de vin, de braves soldats sont morts par ma faute. Fico ? Voilà donc le genre d'homme que je suis. Que je serai Fico ? Toujours. Je veux seulement bon sang. Je prie, pourquoi ça ne marche pas? Vous avez réussi. Une sur deux, c'est déjà ça. Vous avez des nouvelles de Prava? J'en aurai bientôt. Mais assez parlé de ça. Vous allez rencontrer le père Inarius en personne. Certains ne reviennent jamais. Mais vous, vous avez intérêt. Je vous dois encore un bon verre. La porte invisible. Oh là! Ok, c'est le... Dis-moi que c'est maintenant. Regardez comme c'est magnifique. Les lumières, les couleurs, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop. C'est trop agréable.
Le build. Oui, le build, le build, le build. Ouais, mais ça, en fait, ça dépend s'il y a des ads ou pas. Je ne suis pas encore prête. Ça dépend s'il y a des ads. Donc en gros, c'est l'enchantement. Chaque spell a un effet d'enchantement qu'on voit en bas de la description du spell. Et je peux en mettre un comme ça. Je peux en mettre un et du coup, j'ai un effet d'enchantement. L'absorption d'énergie crépitante confère 10% de chance d'invoquer une lance de foudre. En vrai, je sais pas. Vous avez 14% de chance de générer une énergie crépitante en tuant une cible. Je vais pas tuer quoi, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Une chaîne d'éclairs se forme automatiquement lorsque vous dépensez 100 points de mana. Je pense que je vais prendre ça. Je pense ça. Voilà, il y a une chaîne d'éclairs qui se lance à chaque fois que je consomme 100 de mana. C'est très bien. Oh, c'est très bien, c'est ok. Prosternez-vous devant lui et n'oubliez pas que vous êtes tout petit, merveilleusement petit. Mais tout le monde me dit ça. Je suis quand même un peu d'importance, non? Parce que je suis quand même la personnage principale de cette aventure, non? C'est notre père Inarius qui a donné naissance à cette guerre. Déployer le ciel au-dessus d'elle et créer ce sanctuaire grâce à la magnificence de la pierre monde. Attends, avant d'y... Non, j'ai pas de points. J'aurais dû prendre ma potion. Ma potion de fin de death. Est-ce ainsi que vous vous présentez à moi? Pardonnez cette intrusion, mais... Dites-moi ce qu'il vous faut. Je dois traverser le lac noir. Ce qui m'est impossible sans votre bénédiction. S'il y a bien une chose que j'ai apprise depuis que je suis ici, c'est que l'objet de nos recherches est rarement celui de nos désirs. J'ai cru pouvoir mettre fin à cette guerre, mais il n'y a aucune solution, seulement la souffrance. Chacun de mes actes m'a éloigné de mon foyer, de l'endroit où est ma place. Ce monde que nous avons créé est né de l'impossible, et pourtant, comme ses créateurs, il pourrit de l'intérieur. Lilith est entrée dans la cité antique. Avec votre bénédiction, je partirai à sa poursuite. Votre espèce est faible, et ce monde s'est vu ruiné par les croisades d'êtres indignes. Je peux l'arrêter. Cette audience est terminée. Oh non! Oh, je croyais qu'on allait se fracasser la gueule, mon gars. De retour à Korvalar. Bon, je suis monté niveau 24. Ding, ding, ding. C'est beau, hein. Ouais, les cinématiques sont hallucinantes. Vraiment, elles sont magnifiques, les cinématiques. Elles sont trop, trop belles. Ok. On se fracasse pas un peu, là? Bah, je sais pas. Je me suis juste pris un stop. Je ne suis pas encore prête. Je sais pas trop quoi. C'est qui crie derrière? Bon, c'est soit Zera, soit Moment. Oh, c'est tout en fait. Il y a juste Lapi aussi, mais là Lapi il hurle pas. Je vais passer à côté de ce donjon, ça, j'ai trop envie de le faire.
Il n'y a pas de TP là d'ailleurs? Non, il n'y a pas. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Ton perso s'appelle Bernardine. Ouais, tout à fait. C'est Bernardine la boss. Petite sœur de Bernard. Malheureusement décédé un peu tôt le man. Bon, heureusement sa sœur est bien plus forte pour le coup. Heureusement. Ouais, j'ai un point de talent. Ouais. Bah, je continue à mettre la lance de foudre pour le moment. C'est quoi le prochain nom du coup? Le nom du prochain? Non, mais il n'y a pas de prochain. Enfin, ne jinxez pas. Bernardine va venger son frère et puis. Voilà. Oh! C'est verrouillé. Putain, c'est vrai, il faut que j'achète. Au truc du au marchand de Paris, je sais pas quoi, oui, c'est vrai. Il faut que je remette mon point du coup. Ça coûte combien en mana? 38, 1, et ça c'est 33. Ça veut dire que si je fais 1, 2, 3, j'en ai un gratuit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oula, que c'est que ça? Attendez, je vais juste remettre ça là. Je vais juste remettre ça. Et vous allez voir, je vais les tuer beaucoup plus vite. Ouais, voilà. Bah voilà. C'est littéral. En un bouton, littéralement, je les ai tués. Et c'est pour ça que cette spell est incroyable. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Juste aller voir là ce qui se passe. Oh, il y a un donjon. Non, je peux pas. Il est trop tard, faut pas que je me lance dans un donjon là. Il s'appelle comment? Ça dépend du nom en vrai. Zénith. On a un peu envie en vrai. Ça part. Non, arrêtez. Merci Anus Timide. Merci pour le prime. Sois pas timide, approche-toi, t'inquiète. Non. En full avoinage? Genre, on rentre là-dedans, là? Zénith, c'est un peu le summum de la journée. Ouais, mais alors, je vous préviens. Si on fait Zénith, je ne retourne pas parler à la mère supérieure. Je TP back in town. C'est Zénith. Bah, de toute façon, si on fait pas Zénith ce soir, on le fait demain. Si on a un à faire, c'est clairement lui. Non, mais n'importe quoi. Tidère en full speed. Non mais vous dites n'importe quoi. Zénith. Je vous jure que si je croise le boucher et qu'il me tue, je ne joue plus à Diablo 4. Hein. C'est fini. Hein. C'est vraiment... C'est terminé. Ok. Ouais, déjà ça pue la merde, regarde l'ambiance. C'est vrai qu'après avec mon enchantement, je suis quand même... je suis Gucci hein. Oh, la robe de la cabale! Et en plus... Oh putain. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Qu'est-ce que c'est? Juste troll pas à dash dans les gros packs. Ouais, mais j'adore ça pour le coup. Pour le coup, j'adore. Pas comme ça là. Oui, mais t'es en hardcore.
Ouais, mais c'est quand même assez. En termes de vraiment contente pure, tu vois, ça apporte son petit lot de plaisir, quoi. Tu vois, genre là. Je ne suis pas encore prête. Ça apporte son petit lot quand même. C'est un vrai petit lot, c'est un vrai lot, c'est un vrai lot. Je fais un tout droit jusqu'au boucher. Non, je rigole. Merde, la porte est fermée. Oh, je suis un bouffe. Oh, l'enfer de la situation. Après, je dis ça, mais je crois que j'ai pas perdu un PV là depuis le début. Non, mais c'est good là, on est bien de fond. Attends. Maintenant. Nice. Est-ce que ça one shot ça? Dans le doute. Je pense pas quand même. Ce serait abominable. Ok, la castagne, la castagne, la castagne. Putain, j'ai cru que c'était un cul-de-sac. Test pour le content. Non, t'es fou, t'imagines. Non, 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 je peux pas. Je peux pas tester un truc comme ça pour le content, tu vois. Parce que c'est pas comme un dash-in ou derrière, peut-être que je peux sortir avec un space ou quoi. Là, vraiment, si je meurs, je meurs, quoi. Je suis juste en mode, ah, ok. Ok, bah le test est. Ok, bah on sait. Non, je peux pas. Pour la science, ouais, bah la science va se faire foutre là sur ce moment-là. On avancera les recherches un peu plus tard. Tu vois, ça, ok. Parce que derrière, c'est moi, je joue quoi. Ouais, faut que tous les petits squelettes ils explosent proche du gros et c'est win quoi. C'est quoi ça? J'ai pas vu pierre de sang. Nice. Sûr et certain, je me perds. À 3h du mat, on y est encore, c'est sûr. Putain. Qu'est-ce que je fous là? J'aurais jamais dû rentrer là-dedans. % tu prends la mauvaise route. Ah mais ça c'est sûr. Je crois qu'il allait me ramener, me stun. Ça me fait trop peur de me prendre en stun. Vraiment c'est le pire truc qui puisse m'arriver. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Attends, il y a quelqu'un à sauver là. Attends, c'est un voleur. Le gobelin. Eh oh! Revenez ici! Je vois pas là! Et tu vois, c'est le genre de truc qui peut me faire commit un peu. Ouais, voilà. Je ne suis pas encore prêt. Je suis stun, ok. OMG les explos, vous avez vu les explos? Merci Cybercraft. Merci beaucoup pour le 21ème mois. Ça met trop bien. Je ne peux rien porter de plus. Oh non déjà. Oh le cauchemar. Fuck. Je vais jeter tous ces trucs là.
Ah ouais, j'aurais jamais dû rentrer là-dedans, c'est de la merde. Je ne suis pas encore prête. Bon, pour le moment c'est nickel, je vais vraiment dans tous les cul-de-sac quoi. C'est parfait. Le pathing est parfait quoi, genre. C'est insane. Mais en fait c'est parce que j'ai plus. Quoi? Ah mais j'en ai déjà une. Ah oui elle est là. Abruti. Je peux en porter qu'une à la fois. Oui. Mon fardeau est trop grand. Il y a un truc que je regrette. Alors après, c'est peut-être parce que je suis en difficulté 1, mais en même temps, tout le monde dit qu'il faut faire le jeu en difficulté 1. Hein. Mais genre, je trouve qu'il y a beaucoup de potions quand même qui sont données. Genre, ça m'arrive tellement souvent d'opti en prenant une potion. Genre en prenant une potion juste pour récupérer peut-être 20 PV, histoire 2 parce qu'il y en a une au sol et donc vas-y, comme ça je suis full PV, full potion quoi. Mais ouais non mais j'ai bien capté qu'il fallait placer sur le piédestal parce que j'ai vu ce qui était écrit mais je sais pas où sont les piédestals pour le coup. Ça c'est la prochaine pierre de sang mais moi je sais où elle est. Alpha ils font hardcore en div 2 mais ils sont en groupe de 4. Ouais ils sont en groupe de 4, ouais j'ai vu. Ouais en solo il vaut mieux faire 1 quand t'as jamais fait le jeu en plus. Ah si Capuchino, non. Ah, c'est pour le 25ème mois. Ah il est là. Voilà. Nickel. Merci Titwis. Merci beaucoup. Pour le 3ème mois de Prime Gaming. Je vais aller chercher cette pierre de sang, je vais la mettre. Et ensuite la dernière sera par là, ouais. Après le but c'est pas que tu meurs par manque de potions non plus quoi. Oui. Je ne suis pas mais quand même, vous le voyez vous-même, hein, je suis toujours à 5 sur 5. Et en vrai, à chaque fois que je prends des potions, ça m'est arrivé quelques fois en fight effectivement de prendre une potion. Et genre j'avais peut-être 30% PV, ça effectivement c'est arrivé. Mais genre j'ai instantanément récupéré des potions quoi. Moi ce qui me fait vraiment peur encore une fois c'est pas tant ça quand même. Et c'est vraiment me prendre un stun ou derrière bah, je meurs quoi. C'est vraiment cette histoire de me faire soit stun, soit fear aussi. Quand je me fais fear. Ponce sur Nintendo et Ponce sur Diablo sont deux hommes différents choqués. Après là aussi ça fait 12h30 que je suis en live hein, aussi. Mes sacs débordent. Donc je suis aussi abruti par le gaming quoi. J'ai une barbe de 12 heures, exactement. Et c'est vrai qu'il est vraiment très addictif hein, le jeu. Bon, en général les hack and slash sont relativement allez, ta gueule. Voilà, hop, ouais, tue tes monstres, ferme-la. Joue à ton jeu vidéo. Tu fais chier les gens là. Tu parles tout seul là. Ah non, vu qu'il y a des gens qui écoutent. Ouais, mais là, tu parles à toi-même et tu te réponds. Ouais, ok. Putain, c'est Fall Guys encore. Hein. Il y a un truc de fou. Hein. Plateforme et tout. C'est le dingo. Oh, j'ai raté. Ok. Je ne peux rien porter de plus. Ouh, ça il faut absolument que je le prenne par contre. Mais venez, je vire ça là, c'est quoi ça? Dégâts ennemis sur la durée, résistance à l'ombre. Pff, en vrai, pas sûr que ça soit forcément quelque chose qu'on gère, quoi. Ah, tu vois, les 6% de réduction de dégâts pendant les pertes de contrôle, c'est un truc qui peut me rassurer en vrai. En vrai de vrai. Vas-y, vire ça, je prends le Chris. Ok. Garde les gemmes. Ah. Ouais, mais moi je sais plus quoi jeter, hein.
Je sais qu'on peut les améliorer et tout, mais moi je ne sais plus quoi jeter. Hein. Je suis en all-in là. Je suis en all-in, je fais la plus grosse aggro de l'histoire de l'humanité de l'aggro. Je suis un fou. Et là, on se retourne. Et là, on se retourne. Oh, mais. Voilà, tout le monde qui a explosé. Voilà, très très bon ça. Toi, tu vas pas à la ville pour vider ton inventaire comme le portail te ramène au même endroit après. Mon fardeau est trop. C'est vrai. En plus, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait en plus. Bah, en vrai, il y a un peu ce truc de. Je sais pas, je suis dans le donge, j'ai envie de d'avoiner le donge. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Ah, mais c'est quelqu'un de. Ok. Pardon, excusez-moi, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un de mourant. J'ai été séparée. Mes amis se sont fait massacrer. Ah merde. Seule, je ne tiendrai pas longtemps. Ah. Ah oui. Oui, je comprends pourquoi. On va tous mourir en même temps. Voilà. Non mais je suis là, je peux pas plus t'aider. Oui, voilà. Ah. Putain, hâte de voir la gueule du boss parce que quand même. Je mets des dégâts. Ok, let's go. Là, je suis level 24 actuellement. Je suis plutôt lent, moi. Hein. Je suis le chill. Hein. Le chill est bien présent. Je ne suis pas encore prête. Je ne peux pas. Eh ouais, mais voilà. Voilà les bots des hautes terres là. Moi je suis chaud mais. Bon. Ça dégage. Ça dégage, prends ces bots. Les attaques réduisent le temps de recharge d'esquive de 0.6 plus 1 rang bouclier feu plus 1 rang de téléportation. Ouais. C'est pas dégueu mais je joue pas bouclier feu. C'est quoi ça ? C'est une main gauche ? Ok. C'est un bouclier non ? Non, c'est pas un bouclier, c'est un orbe, je crois. Je ne suis pas encore prête. Si tu mets le bouclier de feu en enchantement, t'as un cheat death. Alors, on m'a dit ça tout à l'heure. J'ai envie de le lire quand même. Effet de l'enchantement. Bouclier de feu s'active automatiquement lorsque vous subissez des dégâts qui devraient vous tuer. Ok. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les... 2 minutes, ce qui est assez insane. Oui mais d'accord, mais attends, il s'active lorsque vous subissez des dégâts qui devraient vous tuer. Ok. Mais le bouclier de feu, il fait quoi? Il entoure de flammes pendant 2 secondes qui brûle les adversaires. Ah non, tant que le bouclier de feu est actif, vous êtes insensible, pardon. Ah oui, non, c'est insane. Oui, non, c'est insane. Ah. Et ben voilà, en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre ça sur les boss. Et sur les trash, mettre mon explosion de masse. Je pense, hein. Je fais tous les mobs, hein. Je sais qu'il faut que j'aille en haut, mais... Avec
quand même dans un objectif aussi de, hein, de pex, de voilà, d'avoiner un maximum. Voilà, je peux pas tout prendre, let's go. Ça a été patch le build Frost Infinite, je pense, vu que personne le fait, mais après je sais pas. En vrai, je sais pas. Du coup, level 30 aura un deuxième slot. Oui, putain, c'est vrai. Exact. Mais bah, avant d'activer ça, est-ce que je le prends là? Non, vas-y, je le tente. Par contre, si je meurs. Ok. Ah! Allez, là, c'est. On fronce les sourcils. Il y a des potions au sol, donc ça va, hein. Pour le moment je suis bien. Je sais pas s'il peut me faire un truc corps à corps que je prends pas là. Sorry bro. Useless. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Pardon. Ouais, je comprends, pardon, excuse-moi. Ça va le faire, hein, je crois. Peut-être Jinx avant l'heure, hein, mais ça va le faire. Hein. Let's go! En plus, niveau 25 là-dessus, c'est parfait. Mes sacs débordent. Ouais, c'est vrai. J'avais oublié ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci pour les GG, merci beaucoup. Ça va, franchement, c'était faisable. Le fight était faisable. Il n'y a pas eu beaucoup de pression. Je suis passé peut-être 50% HP, 60%, mais bon, une pote et ça repartait, quoi. Franchement, ça va. Ça va. Et les gants sont... Clacos. Hein. C'est toujours Bernardine, ouais, tout à fait. C'est toujours Bernardine, ouais. On a fait le donjon, messieurs, dames. Et ouais. T'es en hardcore? Ouais, je suis en hardcore, ouais, tout à fait. Tout à fait. Oula. Le danger de fou. Ah, mais laissez-moi tranquille, bordel. Enfin. Est-ce que je ferais pas du coup un TP back? Tu peux faire un tour sur ton arbre de compétences avant de déco. Ouais, ouais, je vous montrerai. Là, je fais un petit TP back. Comme ça, je peux juste au moins faire un peu de place. Je ne peux pas faire ça ici. Sorry. Besoin de forger quelque chose?
Vas-y, je vais faire vous ça. Pouvez prendre ce qu'il reste. Je vais faire ça. Je vais faire ça, je reprends le portail. Je sais que ça peut être pénible comme question, mais est-ce que tu as un avis sur le jeu? Mais il est très satisfaisant, très beau, très agréable, très fluide. Les musiques sont incroyables, la VF est super bien faite. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur la moyenne et longue durée? Bah, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Et je pense quand même que c'est un très bon jeu pour faire des aventures avec des potes, tu vois, parce que tu peux jouer en groupe. En hardcore notamment, ça fait un défi qui est vraiment sympa. Mais voilà, c'est très difficile de donner un avis sur un hack and slash après 10 heures de jeu, tu vois. En vrai, c'est difficile de donner un avis. Je ne peux pas faire ça ici. Bénis soient les âmes baignant dans la lumière. Que notre foi nous protège contre les ténèbres. Ça change quoi le mode hardcore? Bah, si tu meurs, ton personnage est supprimé automatiquement. Ah, vous revoilà. Ça met un peu de presse. Venez, discutons à l'intérieur, au chaud. Tu vas allumer la lumière parce que Zeraï est en plein fight, il peut pas allumer la lumière. Excusez-moi. Et pourtant, vous voici indemne devant moi. Je connais ces méthodes. C'est un gage de valeur suffisant à mes yeux. Au nom de la lumière, je vous bénis. Qu'elle coule à travers vous et vous protège de la corruption et du péché. Notre victoire est écrite dans les cieux. Parla Nerel sur la voix des premiers-nés. Oui, c'est la voix obscure, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on avait vu. Tout à l'heure, on avait vu ça. On avait vu la voix obscure, j'avais dit, monsieur Gouze, machin. Merci pour la lumière. Pas de soucis, panneau municipal. Messieurs, dames, sur ça. Je vais retourner à la ville. Je vais retourner à la ville et je vais arrêter là, je pense. Combien de douches ont été prises? 0 poste caché, c'est l'objectif. Enfin, merci à toi. Merci beaucoup. Bah voilà. Nickel. Parfait. Je ne peux pas faire ça. Parfait. Bah messieurs dames, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je suis niveau 25. C'est le deuxième personnage parce que j'en ai fait un qui a monté niveau 11. J'ai stop, je suis mort. Du coup, j'ai refait un perso, c'est Bernardine, la sœur du premier perso Bernard. Et voilà. Franchement, c'était trop cool. C'était trop trop cool. Go passage caché, ça a l'air fun en vrai. Non, vous ne mourrez pas, messieurs, dames, vous ne mourrez pas. On continue demain. Alors, j'avais mis début du live à 14h parce que moi, demain soir, j'ai un truc avec ma famille. Donc, je devrais pas partir trop tard, au contraire, plutôt tôt dans l'après-midi. Donc, enfin, tôt dans l'après-midi, genre, pas après 18h, quoi, je pense. Donc, dans l'idée, demain, j'essaye de reprendre tôt. Alors, quand je dis tôt, ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais essayer de dormir quand même, mais il est possible que je lance à midi plutôt qu'à 14. Voilà, je sais pas. Il est aussi possible que je lance finalement à 14, je sais pas. Mais je vous dirai. Je vous dirai. Le pouvoir légendaire que tu as eu, il est cool pour ta CP, je pense. C'est quoi le pouvoir légendaire que j'ai eu? Je sais pas capté. Ah oui, d'ailleurs, l'arbre. Quelqu'un m'avait demandé l'arbre. Il est là. Ah, mais j'ai un point à mettre en plus. La lance de foudre, ouais. On va peut-être dans ma boule, hein. Je le mets dans ma boule, la boule, je m'en sers beaucoup, hein. Je prends la boule pour l'explosion en plus. Dans les donjons, tu chopes des pouvoirs à craft à l'infini sur ton stuff. Dans les collections, tu peux les voir. Ah, dans les codex de puissance. Oui, pardon. Oui, bien sûr, j'en ai un d'ailleurs en ce moment. Qui est celui-là. Le fait de blesser une cible adverse élite vous octroie barrière, c'est pas mal. 30% de chance de gagner 20% de fureur aux F. Pendant la canalisation d'incinération, vos dégâts de brûlure sont augmentés. Chaque fois que chaîne d'éclair ricoche sur vous, vous gagnez 4 points de mana. Ouh, oui. Oh oui, ça peut être intéressant. Mais après, ça c'est si safe. L'aspect du protecteur est si safe que...
C'est trop bien ça. Hein. Le fait de blesser une cible adverse élite vous octroie une barrière qui absorbe 315 points de dégâts pendant 10 secondes. Toutes les 30 secondes, ça peut être ça. Et en fait, en gros, c'est ça qui fait que je perds jamais de vie en vrai. Donc je mettrai ça et je rajouterai ça sur un autre truc. Voilà. Je vais mettre bien. Je vais mettre très très bien. Let's go. Trop bien. Et voilà, messieurs, dames. Voilà, messieurs, dames. Putain, j'en peux plus de mes cheveux. C'est la fin de ce live. C'était très très cool. J'espère que vous avez apprécié cette découverte de Diablo 4. On continue demain l'aventure hardcore avec Bernadine, évidemment. Étant donné que Bernadine est tout simplement le sang de la veine, je le rappelle. Je vais vous laisser avec I'm Not Afraid, qui est un son de Tip Stevens que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de streaming, bien sûr. Merci à la modération d'avoir suivi ce live et aider sur le live du début à la fin de la journée, qui était une grosse journée, hein, 12h50 de live. Merci beaucoup, je fais des gros bisous. Rendez-vous demain, entre midi et 14h à peu près, pour le début de la suite de cette aventure. Bisous. Je vous laisse avec un cri de Zera, c'est juste parfait. Bisous, passez une excellente nuit. Ciao, ciao. Et à demain, et si vous n'êtes pas là demain, à très vite. Salut.